Nous allons voir aujourd'hui comment résoudre dans l'intervalle 0,2 pi les équations suivantes. Ce sont des équations qui sont simples. On commence par la première, résoudre l'équation sinus x égale 1. C'est-à-dire, on doit trouver à quoi égale x. Donc, j'ai dessiné un cercle trigonométrique. Voici l'axe des abscisses qui est l'axe des cosinus et l'axe des ordonnées qui est l'axe des sinus. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici 1, ici moins 1, ici moins 1. D'accord? Donc sinus x égale 1. Sinus x égale 1, c'est-à-dire j'ai ici 0, je place les réels, j'ai ici 0, ici j'ai pi sur 2. C'est l'angle droit de 90 en degrés. Alors, en radian, c'est pi sur 2. Donc, je peux écrire sinus x égale 1, c'est-à-dire sinus x égale sinus pi sur 2. Donc, de cette écriture, je peux écrire x égale pi sur 2. Donc, j'écris S, l'ensemble des solutions, c'est pi sur 2. On travaille toujours sur l'intervalle 0, 2 pi. D'accord? Donc, lorsque je fais un tour complet, 0, 2 pi, j'arrive ici. Donc, j'ai ici un seul réel pi sur 2 dans le sinus égale 1. D'accord? On passe maintenant à la deuxième équation. Cos x égale 1 sur 2. Donc, toujours sur le cercle trigonométrique, je place le nombre 1 sur 2. Voici l'axe des cosinus. 1 sur 2, c'est-à-dire la moitié. D'accord? Donc, j'ai ici 1 sur 2. Donc, pour savoir quels sont les réels ou bien les angles en radian qui ont comme sinus 1 sur 2. Donc, il suffit de tracer une droite qui passe par 1 sur 2. Donc, j'ai ici un point et ici j'ai aussi un point. Donc, puisque l'intervalle, on travaille sur l'intervalle 0, 2 pi, on n'a que ce point et celui-là. Donc, ce point correspond à quel réel? Donc, j'ai ici pi sur 3. Pi sur 3 a comme cosinus 1 sur 2. Donc, on doit chercher l'autre réel qui est ici. D'accord? Donc, pour voir quel est le réel ici, je peux écrire 2 pi moins 2 pi moins pi sur 3. Ou bien on peut seulement compter. D'accord? Donc, égale 3, 6 pi moins pi. Donc, 5 pi sur 3. Donc, ce point, c'est 5 pi sur 3. On peut seulement compter pi sur 3. Ici, j'ai pi sur 2 pi sur 3. Ici, j'ai pi. Ici, j'ai 4 pi sur 3. Ici, j'ai 5 pi sur 3. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien, on peut calculer. On calcule 2 pi moins pi sur 3 pour
obtenir la valeur 5π sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Cos x égale 1 sur 2, c'est-à-dire cos x égale cos de pi sur 3, ou cos x égale cos de 5 pi sur 3, c'est-à-dire x égale pi sur 3 ou x égale 5 pi sur 3. Dans ce cas, s égale pi sur 3 ou 5 pi sur 3. On passe maintenant cos x égale moins 1 sur 2. La même chose, on nous demande de résoudre cette équation. D'abord, il faut chercher la valeur moins 1 sur 2 sur l'axe des cosinus. Donc, j'ai ici moins 1 sur 2. Si j'ai moins 1, la moitié, c'est moins 1 sur 2. Donc, quels sont les angles qui ont le cosinus égale moins 1 sur 2? La même chose, on trace une droite qui passe par moins 1 sur 2. Et puisqu'on a on travaille sur l'intervalle 0, 2, pi, c'est-à-dire on n'a que ces deux valeurs. D'accord? On a ici cette valeur, ici cette valeur. Donc, ce point correspond à quel angle? Ici, j'ai pi sur 3. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 pi sur 3. Ça correspond à 2 pi sur 3. Ici, 3 pi sur 3, c'est-à-dire pi. Ici, 4 pi sur 3. Donc, 2 pi sur 3, cosinus de 2 pi sur 3 égale moins 1 sur 2, et cosinus de 4 pi sur 3 égale moins 1 sur 2. Donc, cos x égale moins 1 sur 2, c'est-à-dire cos x égale cosinus de 2 pi sur 3, ou cos x égale cosinus de 4 pi sur 3. Donc, x égale 2 pi sur 3, ou x égale 4 pi sur 3. Dans ce cas, l'ensemble des solutions égale une accolade 4 pi sur 3, 2 pi ou 2 pi sur 3. On passe maintenant sinus x égale 1 sur 2. La même chose, on cherche la valeur 1 sur 2 sur l'axe des sinus. Voici l'axe des sinus. Ici, j'ai 1 sur 2. Et je trace une droite qui passe par ce point, par cette valeur. Donc, quel est l'angle qui a comme sinus 1 sur 2? C'est l'angle pi sur 6. D'accord? Pi sur 6 a comme sinus 1 sur 2. Aussi, on a un autre point. Donc, pi sur 6, on divise pi par 6, d'accord? Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6,
4π sur 6, 5π sur 6. Donc, ça correspond à 5π sur 6. Ou bien, pour trouver cette valeur, vous pouvez calculer pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6 qui est égal à 6pi moins pi. Donc, c'est 5pi sur 6. D'accord? Ou bien seulement vous comptez. Puisqu'on divise pi par 6, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5π sur 6. Donc sinus x égale 1 sur 2, c'est-à-dire sinus pi sur 6, sinus x égale sinus pi sur 6 ou sinus x égale sinus 5pi sur 6. C'est-à-dire x égale pi sur 6 ou x égale 5pi sur 6. Donc on écrit s 5pi sur 6 ou pi sur 6. On passe maintenant à l'autre équation. On a cos x égale racine carrée de 3 sur 2. On résout toujours l'équation sur l'intervalle 0, 2 pi. D'accord? On fait un tour complet. Donc, racine carrée, cosinus égale racine carrée de 3 sur 2. Voici l'axe des cosinus. On a ici, voilà, on a ici pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2. Bien sûr, ici j'ai 0. Le point qui passe par ce point est le centre du cercle. Je trace une droite et j'obtiens ce point qui correspond à pi sur 4. Pi sur 4. Donc, j'ai ici 1 sur 2. J'ai ici 0, 1 sur 2. J'ai ici racine carrée de 2 sur 2. Ici, j'ai racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Pour bien apprendre ces nombres, j'ai ici 0, j'écris 0, j'écris 0, 1, 2, 3. D'accord? Et je divise par 2. Et j'ai ici 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Racine carrée de, j'ajoute la racine. Donc j'ai racine carrée de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Voici 1 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2. C'est seulement pour apprendre ces nombres. Donc, on cherche cosinus de x égale racine carrée de 3 sur 2. On veut résoudre cette équation. Donc, quel est l'angle ou bien les angles qui ont comme cosinus racine carrée de 3 sur 2? La même chose, je trace une droite qui coupe le cercle trigonométrique. Donc, j'ai ce point. Et ce point. Donc, j'ai pi sur 6, l'angle pi sur 6, et cet angle qu'on doit chercher. C'est-à-dire 2pi moins pi sur 6. Ou bien, je commence à compter.
pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, c'est-à-dire pi, 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9, 10, 11. Donc ici j'ai 11 pi sur 6. Ou bien je peux calculer, on écrit 2 pi moins pi sur 6, qui est égal à 12 pi, je multiplie 6 par 2 pi, 12 pi, moins pi fois 1, moins pi, sur 6, 1 fois 6, 6, donc 11 pi sur 6. Ou bien vous comptez comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, on va écrire cos x égale racine carrée de 3 sur 2. Ça correspond à cos x égale cosinus de pi sur 6 ou cos de 11 pi sur 6. C'est-à-dire x égale pi sur 6 ou x égale 11 pi sur 6. Donc s égale pi sur 6 ou 11 pi sur 6. S égale, et j'ouvre une accolade, et j'écris les solutions qu'on a. Pi sur 6 et 11 pi sur 6. D'accord? Pi sur 6 a le cosinus racine carrée 3 sur 2, et 11 pi sur 6, la même chose. Il a le cosinus égale racine carrée 3 sur 2. On passe maintenant à sinus x égale moins racine carrée 3 sur 2. Ici, moins 1 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2. Ici, j'ai moins racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Ici, pi sur 4, qui a racine carrée de 2 sur 2, je trace une droite. D'accord? Et le point d'intersection, et je trace ici, moins racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, pour pi sur 3, j'ai pi sur 3, sinus de pi sur 3 égale, racine carrée 3 sur 2. Donc, je trace une droite qui passe par pi sur 3, puis une autre droite pour trouver moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, quels sont les angles qui ont comme sinus moins racine carrée de 3 sur 2? J'ai ici 5 pi sur 3 et aussi on a l'angle 4 pi sur 3. D'accord? Lorsque vous tracez cette droite qui passe par moins racine carrée de 3 sur 2, vous voyez qu'il coupe le cercle en deux points, en 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. D'accord? Ou bien vous comptez, j'ai pi sur 3, 1, 2, 3, 4 et 5. 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Donc j'écris sinus x égale moins racine carrée de 3 sur 2. C'est-à-dire sinus x égale sinus de 4 pi sur 3 ou sinus x égale sinus de 5 pi sur 3. Dans ce cas, j'ai x égale 4 pi sur 3 ou x égale 5 pi sur 3.
Donc, j'écris S égale, j'ouvre une accolade, 4 pi sur 3 ou 5 pi sur 3. On passe à la dernière équation, sinus x égale racine carrée de 2 sur 2. Donc, sur l'axe des sinus, sinus x égale racine carrée de 2 sur 2. Lorsque vous tracez une droite qui passe par racine carrée de 2 sur 2, vous voyez qu'il coupe le cercle en deux pi, pi sur 4. Et aussi, j'ai pi sur 4, ici 2 pi sur 4, ici j'ai 3 pi sur 4. Donc, ce sont les seuls angles qu'on a lorsque je fais un seul tour, un tour complet de 0 vers 2 pi. Donc, sinus x égale racine carrée de 2 sur 2, c'est-à-dire sinus x égale sinus pi sur 4, ou sinus, sinus de 3 pi sur sinus x égale sinus de 3 pi sur 4. Donc, x égale pi sur 4 ou x égale 3 pi sur 4. Donc, S, l'ensemble des solutions. J'ouvre une accolade et j'écris pi sur 4, 3 ou 3 pi sur 4. À la prochaine.